encore une exposition générale, différentes techniques, différents points de vue, différentes représentations du monde. C'est ça l'intérêt de l'exposition générale, toujours pour vous savourer. L'amour de l'Égypte, c'était le titre de l'exposition organisée par un grand nombre d'artistes. Les fonds recueillis par la vente des tableaux seront reversés au compte bancaire 306-306 pour subventionner le pays. Le Centre culturel russe a organisé cet événement dans le cadre de la valorisation des relations entre la Russie et l'Égypte et le 70e anniversaire de ces relations. Добрый вечер в нашем российском культурном центре. Очень приятно видеть столько людей на открытии нашей выставки. Эта выставка Pour l'amour de l'Égypte est une initiative qui mérite tout le respect et la considération. Je suis heureux que le Centre culturel russe accueille cette exposition. Nous fêtons ce mois le 70e anniversaire des relations entre la Russie et l'Égypte. En ce qui concerne les affaires culturelles entre les deux pays, je constate un grand intérêt de la part de ces deux pays, donc, à diffuser et à valoriser ces relations. Au Centre culturel, nous veillons à promouvoir les artistes et l'éducation. Rappelez-vous que la Russie est le premier pays à avoir soutenu l'Égypte durant la révolution du 30 juin. Nous sommes confiants du choix du peuple égyptien, un peuple qui a la volonté de changer les choses, son histoire et réaliser tous ses souhaits.
Plus de 70 artistes ont fait don de leurs plus belles œuvres pour l'Égypte. Le concept a encouragé un grand nombre d'artistes qui estiment que cette initiative doit être étendue à d'autres branches. أكيد طبعا أنا استخدمت ألوان نارية وفي اللوحة وكنت بعبر بها عن الجمود الحالة. Cette exposition vient à un moment où la patrie a un grand besoin de nous. Lorsque j'ai suggéré cette idée à un grand nombre d'artistes et de différentes générations, ils ont tous répondu présent. J'ai reçu le coup de fil de nombreux artistes désireux de faire partie de cette initiative. Ils ont contribué avec leurs plus belles œuvres et tout ceci pour l'amour de la patrie. Je trouve que cette initiative représente la future Égypte. Ce pays attend de nous qu'on oublie tous nos conflits et notre lassitude. Au contraire, si on veut être bâtisseur d'avenir, on doit faire preuve d'optimisme et de volonté. D'ailleurs, ce sont des sentiments que vous verrez traduits dans les différentes œuvres présentes ce soir. Chaque citoyen contribue à l'amélioration de son pays de sa propre manière. Les spectateurs ont apprécié l'art, mais aussi ce sentiment de patriotisme latent qui leur est si cher. C'était Ahmed Rosny pour le Journal de la Culture.
Voilà, c'est la fin de cette édition du Journal de la Culture. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure. D'ici là, portez-vous bien.